croyez ça, l'équipe de France est championne du monde. Eh bien voici les amis, vous y êtes dans l'antre de la compagnie, après avoir vu du coup cette magnifique bande-annonce qui présente un peu le tout globalement, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vous parler un peu de tout ça indépendamment. Dans un premier temps, vous l'avez peut-être remarqué, on est debout avec notre bureau du coup Homeworld Advanced. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris du coup, vous le verrez juste par là, alors faites pas attention au cable management, mais moi j'ai juste pris du coup la base et j'avais déjà mon plateau que j'ai mis dessus. Et c'est ce qui m'a permis du coup de travailler et de stream debout. Franchement, c'est game changer complètement. J'adore ça, c'est trop trop bien. Donc ça, je vous le conseille carrément. On va partir de gauche à droite, parce que du coup, je ne sais pas par où commencer, il y a trop de trucs sur ce bureau. Ça, les amis, c'est une pépite. Je ne sais pas si on va en parler tout de suite, mais la Go XLR, c'est vraiment ce qui fait le taf pour le tout. Si vous avez un double setup, comme j'ai, vous avez d'ailleurs les deux ici, là. Paf. Lui, le blanc qui est juste là, c'est celui qui me permet de streamer. Je vous mettrai d'ailleurs, par contre, là, dans la description, absolument toutes les références de mon PC de stream, parce que je vais pas toutes les énumérer une à une. Et vous avez juste là le PC pour jouer qui est juste là, pareil, je vous mettrai un peu tout ça. On a quoi? On a une 2080, super, ouais. Et dans l'autre, c'est encore une 1080, mais qui fait le taf pour stream, pas de souci là-dessus. Les triple screen, juste là, j'ai le premier qui est là, qui est mon ancien, sur lequel je jouais, un 27 pouces de chez Acer. Je l'avais pris parce qu'il était G-Sync à l'époque, et j'avais envie d'avoir un truc comme ça. 27 pouces du coup que j'ai mis en mode portrait maintenant pour tout ce qui est chat etc. Le Dell qui est juste là, ça c'est un 32 pouces, j'ai plus la ref exacte, mais pareil, je la mettrai dans la description. Il est légèrement incurvé, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, mais il est légèrement incurvé celui-ci. Donc lui c'est celui que j'ai face aux yeux quand je joue et qui est branché au PC du coup de gaming. Et on a celui-ci du coup, là où il y a le retour justement, où vous voyez ma tête là, ma magnifique tête à l'arrière. Et ça c'est le retour de mon stream qui est du coup sur le PC de stream, et c'est un BenQ 4K parce que je m'en sers aussi pour la PlayStation. Et du coup en 4K. Donc je joue à ma play avec celui-ci. Lui c'est maximum 1440p, donc je joue uniquement à tous mes jeux PC sur celui-ci. Et donc du coup c'est pour ça que des fois vous me voyez sous le bureau, à changer les câbles et tout. C'est que je suis obligé d'alterner les branchements. Mais c'est le seul petit truc, mais ça va, c'est pas trop gênant. Donc ça c'est pour tout ce qui est écran. Vous avez reconnu j'imagine ici les Keylight de Elgato, et celle-ci aussi. Donc les deux Elgato qui coûtent, on va dire une petite fortune pour ce que c'est, mais ça marche quand même pas mal, faut le dire. En tout cas, de mon côté, j'ai pas de souci avec Elgato. Donc, c'est ce qu'on a là-dessus. Toujours avec Elgato, justement, il y a le Stream Deck hyper important. Et ça, on en a tous besoin en tant que streamer. Peut-être que ça nécessiterait un XL pour switcher plus rapidement d'une scène à l'autre. Mon clavier qui est là, c'est le Corsair K70 Rapid Fire mécanique. Réactif de fou. Avec ça, les top 1, tout ça, on en a fait des milliers. J'exagère peut-être un peu. On a ici la Logitech, la G903. La G903 de Logitech, ça, c'est ma souris pour jouer. Et j'ai juste ici ma souris ROCAT que j'avais acheté uniquement pour le PC de stream, qui me sert juste à du coup à gérer un peu mon PC de stream à droite avec tout ce qui est retour, etc. Petit clavier sans fil aussi, un Logitech, lui j'ai pas du tout la référence, mais c'est un wireless du coup sans fil, et qui me permet également de gérer tout ce qui est titre de stream, etc. Ou pour gérer un peu toutes les infos sur mon PC de stream également. C'est celui qui du coup est wireless pour éviter d'avoir un câble en plus. Vous voyez moi en cable management, j'ai pas grand chose ici, ça me suffit. Mais je suis pas très bon là-dedans. Donc j'évite d'avoir trop de fils qui sont par là. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux vous présenter? Ça, c'est la bête. Le dernier achat, du coup, avec le bureau, c'est du coup le Go XLR. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez, du coup, un double PC, c'est indispensable. Parce que tous les soucis de son que vous avez quand vous avez un double PC sans Go XLR, c'est incroyable. Vous êtes obligé d'avoir Voice Meter et tout, et c'est une dinguerie à paramétrer. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur le stream, souvent, vous aviez vu que j'avais des soucis de grésillement, et c'était dû à ça. Et depuis qu'on a le Go XLR, tu ris, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Pour finir, je l'ai sur les oreilles, donc j'avais oublié. On a le Beyer Dynamic DT797 PV. Si je dis pas de conneries, j'ai attendu peut-être au moins 2 mois pour l'avoir. Parce que je l'avais commandé, il était en rupture de stock quasiment partout. Donc hyper compliqué à l'avoir. Mais en tout cas, bah, c'est avec ça que vous m'entendez là. Je parle avec ce micro-là. Une qualité incroyable, j'adore. Donc vraiment trop bien. La caméra, bien entendu, aussi, c'est la webcam. Alors c'est peut-être mon prochain investissement. Il faudrait que je change ça parce que vous le voyez peut-être sur le retour de certains de mes lives où ça scintille un peu justement avec le Kunpani derrière. La cam, il faut que je la change. Je pense investir du coup dans un appareil photo, je ne sais pas encore lequel. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. J'en ai vu pas mal, avec un budget généralement excessivement cher, plus de 1000 balles à chaque fois. Donc si c'est vraiment ce qu'il faut mettre, eh ben on verra. Mais ce serait bien de pouvoir mettre un peu moins là-dessus. Mais je pense que le prochain investissement, il sera là. Parce que là, j'ai la C920 HD, qui est sympa pour du stream. Mais dès que tu es en full screen ou en blabla, dans les scènes blabla et tout, ça commence à être pixelisé, donc c'est pas terrible. Donc ouais. Et lorsque je suis pas du coup ici, je suis souvent dans le salon, j'utilise aussi, hop, ceci, qui est, si je dis pas de bêtises, l'Asus G512L. Voilà, petit PC portable ici qui me sert pour gérer un peu tout ça quand je suis pas dans le bureau, donc c'est hyper pratique aussi pour faire quelques montages vite fait, mais surtout gérer les à côté de Twitch, genre tout ce qui est montage, etc. Je me sers de ça quand je suis pas dans le bureau. Juste derrière ici, vous avez vu. Le décor, vous le voyez un peu différemment. Alors il est assez simple le décor, mais il y a pas mal de choses du coup qui peuvent changer. Il y a des choses qu'on change de temps en temps. Woody, ça vous le connaissez. La petite manette qui est juste là, pareil, vous la connaissez. Hein. Celle-ci, elle avait fait flop dans un des clips du coup sur FM. Le Kunpani que là vous voyez en mode miroir, mais que vous avez vu aussi sur la vidéo. Et plein de petites choses aussi qui vont avec et qui rappellent un peu le stream. Derrière là-bas, je vous en ai pas parlé, vous voyez pas parce que du coup derrière il y a comme un mode un peu de racing, mais c'est là où il y a tous les maillots de foot que j'ai. Vous l'avez vu aussi apparaître sur la vidéo juste avant. Tous ces maillots-là, je pense qu'un jour j'en ferai une vidéo. J'en ferai une vidéo où je vous montrerai un peu tous les maillots qu'on a. Mais pour l'instant, c'est pas le moment et puis c'est un peu le bordel en dessous. Donc du coup, je vais pas vous le montrer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Je pense qu'on en a terminé. Juste là, j'ai un petit tapis anti-fatigue. Voilà, et une petite bouteille d'eau cristalline. Je pense que ça complète bien la vidéo setup. Et voilà les amis, maintenant que vous êtes au courant de tout ce que je détiens du coup dans ce bureau, si jamais vous êtes intéressé par certaines références, je mettrai des liens Amazon du coup dans la description. Ça me permettra d'ailleurs de me soutenir parce qu'on est aussi partenaire Amazon, donc n'hésitez pas. Et pour tout le reste du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch ou à poser les questions dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Merci les amis, on se retrouve très vite parce qu'on devient de YouTubeur maintenant. Hein. Là c'était la première vidéo de, je l'espère, une longue série. Normalement je m'y suis engagé donc on le fera. Vous pourriez y voir pas mal de trucs, à la fois du sim racing, du sport, mais aussi d'autres choses, donc on verra ce qu'on fait, mais en tout cas, libre à la créativité, mais on sera là-dessus, quoi qu'il arrive. Merci les amis, passez une bonne journée, on se retrouve très vite en live. Ciao ciao!